Accenti, wakati nilifika pale kuziapanda machozi nilianguka. Nilikuwa sijui kama hapa kwetu capitale du pays Nande ataanza kunipokea. Sisi umenipokea, nitupigie mikono. Ya pili ni pole kwa ajili ya mauaji ya Beni. Tena pole kwani komunote yetu et plus précisément ville ya Butembo tumewapoteza wa grand commerçant wetu, na nilipenda tugarde 1 minute de silence tu ya kuwaza wale wa grand commerçant wetu ambayo walituacha, wale ambayo waliotuonesha njia ya kufanya biashara. Asante. Ya pili, nilitaka niwaambie kama hii ministere mina okipe iko na histoire. Na siko munane wa kwanza kukuwa ministre wa jeunesse ya Congo. Munane wa kwanza ambaye alikuwa ministre wa jeunesse ya Congo, jina lake Enoch Nyamwisi Mubingi. Mumpige mkono. Leader wetu na mentor wetu, ule ambaye alituinspire sie vijana vyote, ule alikuwa ministre wa jeunesse na muaktif yake aliprotejaka patrimoine ya ministre ya jeunesse na mimi ya ministre ya jeunesse. Ni kusema komunote yetu ni komunote ya washujaa, ni komunote ya watu wazima. Na huyo Nyamwisi Mubingi ndiye alikuwa mtu wa kwanza kurevolutionner ministeri ya jeunesse, na leo mwenye iko secrétaire général ku ministeri alibakia Goma. Mnajua kama nilifanya njia mrefu kufika hapa, nilishafanya mitingi 6. Nilianzia Kirumba, nilitoka Goma 4 du matin puisque nilisema batu mingi bali konseye ukamate vol uende Butembo baende kuchunga kuruenda. Nikasema hapana, mie napasha fanya njia kutoka Goma mpaka Butembo nijue mashida ya population yenye iko muteritoire ya Lubero na yenye iko muvile ya Butembo. Haiko vile? Nilitoka Goma 4 du matin, nilifanya mitingi ya kwanza Kirumba, nikafanya mitingi ya pili Kase, nikafanya mitingi ya tatu Kitumbiro. Avant pale nilifanya kwanza Alibongo, après nikafanya tena Kitumbiro, kisha nikafia malizia ku territoire pale ku territoire ku Lubero ville, ku Lubero cité. Ni kusema kama mimi nilipenda ni inspire manda yangu mu écoutant le peuple. Puisque Gandhi alisema ukipenda kufanya vitu juu yangu bila mimi uko unavifanya contre mimi. Haiko vile? Ambacho kinakoroga ba dirigeant mingi ni kupenda kufanyia watu vitu ambavyo hawakuwaomba. Haiko vile?
penda le bapatie ka persi ya kabila depuis le ministère ya jeunesse. Parce que wakati nilipata nomination comme ministre wa jeunesse, batu baliniambia ah Tshisekedi na kamera bakupendaki. Kale njo ka ministère ka kupatia nikawaambia. Et comme le disait le chef de mon parti, il n'y a que des petits chefs de département, il n'y a pas de petits départements. Nakaongeza, c'est l'homme qui fait la fonction et non la fonction qui fait l'homme. Njomana, wakati nilifika kui poste, il y a ministère de la jeunesse, nikasema, na pasha kuonesha kama mtoto wa munande anatumikaka. Iko vile? Ya kwanza nililance programme ya récupération ya mabien ya ministère ya jeunesse. Na tulisha nja birekipere ikwe Bakongo, ikwe Kinshasa, tulisha kuandikia ministre wa affaires foncières pour que bafanye titrisation ya ma patrimoine yote ikwe mashamba. Il faut ma centre de réinsertion professionnelle, il y a ma jeune, il y a Iko Mouintietu. Il y a pili, nikasema, tu n'as pas choix kurudisha vijana kwa kazi. Iko pili? Na ile ambayo inakuwa secteur, inaweza kutusaidia, kubabeba vijana wa mingi, ni secteur ya agriculture. Iko pili? Il est secteur et agriculture, pour l'ISEMA, pour créer ma brigade agricole. Par Kinshasa, pendant que Bakinois, votre terre n'est pas fertile, il faut mon accord importer du Tubagotoka Inche. Par Kinshasa, pour l'IFANA Chamba Maloukou. Tukatia 40 jeunes, tukabatia kusite ya 30 hectares. À l'espace de 4 mois, bali produire 20 tonnes ya mihindi, 10 tonnes ya bijumba, 10 tonnes ya maharagi, banaita mbwengi kule, na leo kuko 27 hectares. Yenye iko na miogo pale Kinshasa. Sasa nikasema kama 30 hectares inaweza kuemploye 40 jeunes, manake tukifanya 800 tutakuwa au-delà de 1000. Nikalance deuxième programme pale tuku Maluku ya 800 hectares. Au départ ya kwanza tulikuwaka na machine, c'est-à-dire tracteur yenye tuko tunaloué, tukapiganisha leo tuko na matracteur 7 ou 6 ministère ya jeunesse. Nikasema mais grenier agricole ya Congo ni Kivu, hein, bile? Nikasema ya fani ende lancer un programme wetu Nord Kivu. Jomana juzi nilikuwa pale kiwanja, nika lance 100 hectares na nilisumulia na gouverneur, nikasema mu territoire ya Lubero balisha kuspolie ma pasi zetu, inafaa mutupatie bulongo na sisi tutapana vifaa na tutapana mbegu ili tuweze kutia vijana kwenye mashamba. Il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol et qu'on arrête de faire croire à nos jeunes que pour faire un chamba, ni kusema unakuwa mtu bure. Hapana, chamba ni ya watu wazima. Ukiona mainchi za kigeni ambazo ziliendelea kama États-Unis, subasma yabo ni mashamba. Ukienda France, subasma yabo ni mashamba. Na siye Kongo tuko na histoire. Leopold alikiaka mwai inchi, ya kwanza alikuwa na tafuta ni kauchu, ya pili alikuwa na tafuta ni EVA,
ya tatu alikuwa anatafuta ni kafe. Ni kusema mwanzo ya inchi yetu ni mashamba. Ya ine nilitaka kuelezea mambo ambayo mulisikia ya maloi tuko tunainisia. Haiko vile? J'aime le Congo. J'aime le Congo. J'aime le Congo. Wakati nilifika kwa hii kiti. Unajua hii ministère ni ministère ya jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Nikasema batu banapenda kuinyore nouvelle citoyenneté. Mais mimi, minataka kuipatia contenu. Haiko vile? Contenu, nikasema, nikaongea na bakonseye yangu, tunapasha kufanya loi ya kukadre tu ya protection ya jeunesse. Haiko vile? Ile loi, tulisha yelabore, na kule ndani tunalimite age ya jeunesse. Tunasema kijana ni yule ambaye anapatikana mu tranche d'âge ya 15 à 35 ans. Ya pili tuki établir ma responsabilité à banani banapasha kujiokipe na encadrement na éducation ya ba jeune. Tukasema ya kwanza pale ambao wanapaswa kujiokipe na encadrement na éducation ya ba jeune, c'est d'abord la cellule mère, la famille. Bazazi biko kwanza ba responsable ba kwanza ya kuchunga batoto. Chukule Kinshasa, kitu ambayo inanishangaza na nisheka kumuita responsable à la police, mina mwambiaka, comment mtoto wa moins de 18 ans anaweza kujiretrouver inje au-delà de 20 heures. Iko nafanya nini? Nikasema ba jeune betu betu tuwaforme mwa masomo. Pourquoi masali yo drapeau zilishaka potea? Pourquoi avant batu baingia ku masomo zamani ilikuwa tunaimba himne national? Na ukiona ba jeune betu ba leo abajua kata kuimba himne national. Juma valeur patriotique tulishaka zipoteza. Ndio nikasema pour que tu garantis les bibitu kongomani wamemubomola kichwa na mentalité pendant 60 ans. Haiko kusema juu Billy Kambale njo ministre wa initiation à la nouvelle citoyenneté njo Kongo itabadilika mara moja. Nikasema pana, mimi kama Billy Kambale je m'assume devant l'histoire. Nikasema tunapaswa kuproposer une formation militaire obligatoire pour ba jeune betu benye banamaliza école secondaire avant baende ku université. Ile nijua nini? Puisque batu mingi baliita olie upatie ba jeune kazi, unataka bafaa ba militaire na ba policier. Ikamwambia munajidanganya. Ne inchi jirani hapa jua nini biko wanatugandamiza? C'est parce que bo wanapikaka deja ile dawa ya moto. Service militaire obligatoire. Aiko kusema tunatia batu yote tutamwacha apoursuivre. Mais le reste batakuwa ce que nous appelons les réservistes. Leo tunajikuta na mimi na félicité ba jeune ya Beni banasema kama arume na shinda quelque part simaweza kamata wale ba réservistes benye balijifundaka mambo ya kupigana
na mambo ya armée banaenda kusecourir armée kwa vile ya pili kama leo ADF iko na tuingilia mpaka mvili c'est parce que service ya espionnage na contre espionnage haiko étendu ku population yote haiko vile mais kule kuile mafunzo ya 6 mois batabafundisha patriotisme, batabafundisha civisme, batabafundisha self-défense, batabafundisha espionnage et contre-espionnage, batabafundisha maniement d'armes. Mais batoto bangelikuwa déjà na formation militaire obligatoire angelijua self défense bangelikuwa déjà na formation où les ADF kwenye iko déjà na planifié où les kongomani mwiko pembeni yake angelikuwa déjà sa mutenonse na balisha mutransfere devant les cours de tribunaux haiko vile mara tunasema huko mambo ya maana yenye haiombe tufanye madeba za ovyo ovyo. Huko mambo ambayo inaomba sisi bote tunakuwa na langaje hii moya. Haiko vile? Tukasema hii mambo ya beni. Huko batu mengine banawazaga kama shie inatufanyaka plaisir kusikia kila siku bandugu yetu yuko anakufa. Hapana. Wakati mulisikia ndugu yenu Billy Kambale anakuwa nomé ministre. Mais kule ku ministre, ni tu na mie ni contribuer na muna gani tuta résoudre ma problème ya insécurité. Na njoma na mimi naleta ile proposition ku table pour dire si e bote tupigane tu pour former ba jeune ba Congo. Ba jeune ya Beni. Bamepita hapa niko na uchungu kuro ba jeune étudiant venye balipoteza bazazi banajiretrouve hapa mu ma université nitakubambia mie kama ministre niko quand même na salaire mwile salaire yangu mina sema hapa solennellement leva batoto ya Butembo kama ndakamata 10 étudiants ba Beni un peu ma souffrance zabo haiko mingi lakini mwangalie volonté puisque hii mambo ya Beni inanisumbua sana hii mambo ya Beni inaacha mimi sipate usingizi hii mambo ya Beni inaacha tunakosa credibilité kwa population hii mambo ya Beni inaacha sisi kama viongozi tunakosa hisi ya kuiona population kwa macho mambo yote mumesema hapa ba jeune ikuwe ba conseil urbain ya jeunesse ikuwe ba jeune ya Beni ikuwe ba jeune yote balipita hapa ba étudiant yote ilikuwa interpellation na mimi nilisemaka mimi ndakuwa porte parole wa ba jeune s'agissant des maisons d'apprentissage à ma centre de formation. L'initiée Makama, tout qu'on a mon programme, na tutajenga ma centre de formation, tu as confondu ma jeune Betou, ma métier. La question, l'idée pour informer ma jeune, comme à ma centre pour l'anipulani la visiter, tu dis Dieu ma difficulté, Zabo, na namuna gani, dans les tout prochains jours, tu n'as pas intervenir. Pour ma jeune entrepreneur, va me toquer ma semaine à hapa. Taxes inapitamine. Accès au crédit à Ikoake. Atena mon banque va na momba à pas de garantie à Nyumba. Et ça, ça gêne à l'hygiène à Nyumba si vous gagnez. Comme la Kulisema, pour mettre en place fonds pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Il est fonds, il t'a quoi na saïdi à ma jeune, au lieu à quoi na pour ma banque. Tu vas gandamiser, il est fond, il t'a quoi la subvenir pour ma besoin Zabo, pour financer ma projet Zabo.
parfois à des taux d'intérêt zéro. Parce que l'objectif n'est qu'on va promouvoir. Yamwisho, il t'a qu'aélezé à Kama, Kesho, Nawaza Kutakutana, Tena Namakous Zamingi, principalement bah, étudiant en conférence, Nawaza Koule, je tout a développé ma idée à Mingi, mais Nilipenda, Bakaji Abutembo, Nabanguyangu, Mujue Kama, Iyo Birika Mbare Tsongo, Yona Wenyu. Ngoko ni nye Kinshasa, miyati yomograno, ni miyati yare. Sina ngata jide robe, yehe. Sina ngata fanye demagoji, yehe. Nyeri ne devoir de redevabilité envers vous. Ce poste que j'occupe, c'est un poste pour les quotas de Nande. C'est vrai, je me suis battu dans mon parti, avec la confiance du chef de mon parti, mais il est aussi vrai que le chef de mon parti m'avait désigné pour les comptes du Nord Kivu. Et parce qu'il fallait récompenser une communauté qui souffrait, on a dit on donne à Billy un ministère pour représenter ce peuple qui souffre. Et donc je ne peux pas être ingrat. En arrivant là-bas, Nibasabu, si vous voulez que vous la main sur le cœur, Mina Bambia. Yamwisho, ni kusema kama Mina Bashukuru. Donc je suis venu ici à Butembo dans une mission officielle. C'est pour évaluer l'état de l'administration dans cette province, et principalement à Butembo, puisque j'ai commencé à Goma. Je suis parti à Rutshuru, j'ai été presque parti en province et maintenant je suis à Butembo. Je suis aussi venu pour lancer le programme de brigades agricoles. Je suis venu aussi pour vivre avec la jeunesse. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas possible. On ne peut pas prétendre résoudre les problèmes des gens si on ne les écoute pas. J'ai senti ici le besoin de paix et la contribution du ministère de la jeunesse pour la problématique de la paix sur le service militaire obligatoire. Il faut que nous sachions que le service militaire obligatoire sera une solution à ces problèmes parce que nous ne pouvons plus continuer à subir et à regarder comme ça nos frères mourir sans que des mesures soient prises. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites exactement pour matérialiser ces processus d'intégrer les jeunes dans l'armée? Parce qu'il y a beaucoup de couacs dans ces processus. Non, il n'y a pas de couacs. Comment vous pouvez être pessimiste à ce niveau? Je vais introduire le projet de loi au niveau du gouvernement qui sera certainement discuté après son adoption au niveau du gouvernement. Je vais l'amener au Parlement pour que celui-ci l'adopte et que le chef de l'État le promette. Les mesures d'application et les mesures d'accompagnement, ça nous les verrons après. Mais d'abord, moi je vais m'acquitter de ma tâche, celle de mettre en place une loi pour cela. Et quel message vous pouvez adresser à la jeunesse pour soutenir ce projet de loi? Je voudrais leur dire de rester debout. Parce qu'effectivement, il y a des ennemis de cette démarche qui sont à l'œuvre et on comprend pourquoi la 7e colonne continue à travailler dans notre pays. Mais moi je leur dis c'est permis puisque Billy Kamba ne recule jamais. Quand il voit, quand il a une conviction, une force, il va tout droit. Rien ne va me retenir. Il y a la maladie coronavirus qui ravage dans notre province et ici à Butembo. Quel message particulier à la population quant à cela? Non, d'abord, c'est de dire à la population de respecter les mesures barrières. Portez votre masque, observez la distanciation sociale et en plus, il faut se laver les mains régulièrement. À Kinshasa, c'était l'épicentre, mais je crois qu'aujourd'hui, on commence à l'utiliser grâce au respect des mesures barrières. Je pense qu'ici à Butembo aussi, nous devons tout faire pour observer ces règles telles qu'éditées par l'OMS et surtout par le ministère de la Santé.
ne soyons pas défaitistes, ne soyons pas négationnistes par rapport à cet état de choses. Cette maladie, elle tue, elle ravage. Le monde entier en paye le prix le plus fort. Nous, nous sommes même des pays, on peut dire que c'est le miracle divin, le miracle divin qui s'est produit ici. À voir comment le carnage qu'il y a eu en Occident, ça ne s'est pas produit ici. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons renforcer notre niveau de conscience pour que nous ne puissions pas nous livrer à cette maladie. Merci les amis. Merci beaucoup. Et qui l'est, monsieur ? Non, c'est pas ça. Ati karibo, o bari moni ati karibo.